je fonce tout droit. Sans me retourner, sans regarder dans le rétroviseur, toute ma vie. Monsieur Loiseau, je viens vous vendre la France de demain. Ah bon, c'est ça la France de demain? Non, la France de demain, c'est moi. T-A-P-I-E. Bernard Tapie. Bernard Tapie. Monsieur Tapie. Monsieur le Président. Souvenez-vous bien de ce nom parce qu'il y aura un avant et un après. Bon, je vais créer un nouveau business. Vous pourriez venir bosser avec moi, non? L'homme est devenu un symbole de la réussite. Il aime avant tout la notoriété et la gloire. Tu me fais tout péter. Il faut genre 10 feux d'artifice ou 10 feux de Bengale. Il faut leur en foutre plein la vue. Applause, 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 applause. Vous n'avez pas peur de tout gâcher hein, en ayant les yeux plus gros que le ventre? Quoi? Ah, je veux dire, dans notre métier, il faut avoir les yeux plus gros que le ventre. Ce niveau d'endettement, c'est une bombe nucléaire à retardement. On prend l'eau, là, mais de tous les côtés. Il y a de fortes chances, quoi qu'il advienne, que ce soit sur vous que tout ça retombe. Tout bien, tout petit détail. Je suis indestructible. Oh, je vais vous raconter une histoire très drôle. L'histoire d'un petit gars de banlieue qui se prenait pour un grand révolutionnaire. Mais qui, en réalité, n'était qu'un tout petit vendeur de tapis. Tout ça, c'est bien gentil, mais ça me dit pas comment je deviens président de la République. Vous êtes devenu le roi de Marseille. Mais un roi sans pouvoir, dans le fond, qu'est-ce que c'est? Quand tu veux gagner, il y a les règles, puis il y a une petite zone de flou. Les vrais gens sont pas dans un jeu télévisé. Ils prenaient la politique pour du showbiz. Ah ouais, moi je suis peut-être un clown, mais au moins ça fait rêver les gens. Tu fais rêver qui, toi? Oh, moi je sais qui je suis. C'est le peuple contre les élites parisiennes. Mais c'est quoi ton idée? C'est de mettre en danger notre famille et tout ce qu'on a construit? J'ai encore des choses à offrir à ce pays. Si je gagne cette finale, ils seront à mi-pied. Croyez bien que si un jour vous deviez aller en prison, ce n'est pas à vous, c'est Tapie, c'est le mythe. C'est le rêve.